2018. La civilisation européenne est en déclin. Le christianisme semble en voie de disparition, notre jeunesse est en crise et nous marchons dans un champ de ruines. La famille, la transmission, la patrie, les repères, ils ont dilapidé l'héritage, brisé l'ordre millénaire qui a fait la grandeur de la France et de l'Europe. Aujourd'hui, ils nous font croire que les héros sont morts, qu'il n'y a plus ni Dieu ni maître, que les nations sont des autels. Et pourtant, l'univers de la génération 68 est en train de sombrer sous nos yeux. Leurs utopies égoïstes ont échoué et la jeunesse française en paye le prix. Un vivre ensemble qui n'existe pas, une liberté sexuelle qui se transforme en addiction à la pornographie, le chômage, la précarité, l'esclavage consumériste. Bien sûr, notre tâche n'est pas simple. Nous devons nous retrousser les manches pour rebâtir la cité. Comme le disait le poète Mistral, il ne s'agit pas uniquement de faire une majorité électorale, il s'agit de refaire un peuple. Changer le monde sans se changer soi-même, tout combat pour le bien commun commence par une reconquête personnelle. Parce que l'homme est un être communautaire, par nature, nous devons nous engager ici et maintenant, dans nos quartiers, dans nos villes et dans nos cercles d'appartenance. Parce que l'homme ne se nourrit pas que de pain, nous devons retrouver une verticalité, une flamme intérieure. À Academia Christiana, nous avons pris l'engagement de donner à la jeunesse française les armes pour comprendre et agir dans le monde. Depuis 5 ans, Academia Christiana est le rendez-vous incontournable d'une jeunesse au cœur ardent, qui cherche à s'engager avec insolence et fidélité. Plus de 200 personnes ont participé à notre édition 2017 autour du thème « Reconquérir les esprits et les cœurs ». Venus de toute la France, mais aussi d'Europe et d'Amérique, des lycéens, des étudiants ou de jeunes familles se retrouvent à notre université d'été pour se former et préparer leur avenir. Academia Christiana est un carrefour, une plateforme de rencontres entre acteurs politiques et associatifs qui veulent rebâtir la cité sur les ruines de la modernité.